peut le maintenir comme ça quelques jours. Peut-être une semaine. Appelle-les. Dis-leur qu'on est en route. Dès qu'on sera en sécurité. Desmond Miles. Ta vie a tellement changé en si peu de temps. Il y a 2 mois, tu servais des cocktails à des banquiers et à des célébrités. Et maintenant, regarde-toi. Tu es un assassin, l'un des nôtres. Tu es dans le camp des justes. Tu fais partie des hommes et des femmes qui protègent la vie et la liberté. Pas comme ces Templiers, ces autocrates froids et calculateurs, ivres de pouvoir, obsédés par l'ordre. Nous nous efforçons de les arrêter. Va. Nous faisons de notre mieux. Mais tu le sais déjà, non? Et tu te souviens de l'Animus, la machine qui nous permet d'explorer les mémoires génétiques et de revivre les vies de nos ancêtres. Tu as d'abord été Altaïr, un assassin du XIIe siècle en Terre Sainte. Puis, tu as été Ezio Auditore, un Italien riche et charismatique en quête de vengeance. Quel est le point commun entre vous trois? C'est simple. C'est la pomme d'Éden. Cette relique étrange abandonnée par ces gens. Ceux qui étaient là avant nous. Tu connais les pouvoirs de la pomme. Tu les as vus à l'œuvre. Oh, tu t'es bien amusé, pas vrai, Desmond? Mais tout ça, c'est terminé. Ton esprit se fragmente lentement. Et si tu ne réussis pas à te réveiller, tu risques de disparaître. À tout jamais. Ok, j'ai désactivé le monitoring de l'Animus pour libérer un maximum de mémoire. Mais même là, c'est risqué. Desmond s'en sortira. La partition a fonctionné, l'Animus est stable et ses constantes sont bonnes. Pour le moment. Mais l'Animus est conçu pour recréer des mémoires. Pas pour simuler des processus cognitifs. L'Animus remplira sa mission, et Desmond fera le reste. Salut à tous, c'est Dudu, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte. Et vous l'avez deviné sûrement, il s'agit de Assassin's Creed Révélation. Un jeu que j'attendais quand même pas mal. Alors, j'écoute ce qui se passe en même temps que je vais parler. Bon, par contre, je m'entends pas parler tellement je me suis mis le son fort. Et je me rappelais même plus vraiment de l'histoire là. On a eu un petit résumé un peu de tout. Ça m'a rappelé la fin minable de Brotherhood où j'ai rien compris. Putain, je trouve qu'il a été amélioré un peu. Ça, c'est plutôt classe. Ah ouais, je trouve qu'ils ont carrément amélioré le visage. Ah mais il a carrément changé de fringue. Ah il est carrément classe là. Donc on contrôle Desmond, c'est le rapport qu'il y a entre tous les épisodes d'Assassin's Creed jusqu'à présent. Qui c'est celui-là? Ah je suis désolé, je vais écouter un peu le début. Rebecca, fais-moi sortir d'ici. Ils t'aideront pas, Desmond. T'es un homme brisé. Ton esprit est... brisé. Attends, je me sens bien. Ah, il a carrément changé de visage, je trouve. Regarde le résultat. Il faut qu'on se parle. C'était le gros défaut de Assassin's Creed, quand même. C'était leur modélisation des visages. Donc c'est un jeu qui est sorti le 15 novembre 2011. Édité par Ubisoft et développé par Ubisoft Montréal. Et j'écoute toujours ce qui se passe. T'as de la chance que quelqu'un ait eu l'idée de te stocker ici. Ça t'a sauvé la vie. Sauvé de quoi? Alors qu'il est, tu devrais végéter dans un lit d'hôpital, à baver comme un légume. C'est grâce à l'Animus que t'es encore intact. Il empêche toutes les vies de tes ancêtres de se mélanger. Mais si tu ne trouves pas un Nexus rapidement, ton cerveau va imploser. Et ce ne sera pas beau à voir, un Nexus. Ah ouais, carrément. J'y arrive, sois patient. Les scénarios de Assassin's Creed sont quand même connus pour leur grande qualité. Oui, 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 on peut pas. Tu veux t'en sortir? Je dis ça avec ironie, évidemment. Attends, fous-moi là, t'as un problème. Ton cerveau est rapide.
chemin dans ces données stockées. Tu retrouves les mémoires incomplètes et tu les termines. Finis ce que tu as commencé. Il faut que tes ancêtres n'aient plus rien à consulter. Ça, c'est un processus. Et quand tu le trouveras, l'animus fera le tri entre Desmond, Ezio et Altaïr et tu seras enfin libre. Tu retrouveras ton corps. Ça veut dire qu'on va rejouer Altaïr, ça serait un truc de fou. Normalement, oui. Mais moi, j'y croirais quand j'aurai Altaïr sur l'écran. Bon, il faut savoir que si vous avez le choix, quand même, faut prendre Assassin's Creed sur PS3. Parce que vous avez le premier volet fourni avec. Ça, c'est quand même la classe. Et c'est assez rare pour être souligné. Eh oui. Je croyais que tu savais. Oh non. Je suis dit. C'était pas moi. Oui. C'était pas moi. C'était cette voix. Junon. Oui, non, il y a vraiment des trucs bizarres dans ce scénario. Moi, j'aime beaucoup les moments où on est dans l'animus en fait, où on contrôle l'ancêtre, mais le scénario général, c'est de plus en plus brumeux pour moi. Donc ben on va rentrer hein, si nous dit d'y aller, de toute façon, il faut voir, on peut monter là. Ouais d'accord. Ouais donc on va rentrer là dedans. Et hop là. Ah oui, Ubisoft présente un jeu développé par Ubisoft Montréal. Eh oui, on le savait déjà, je vous l'avais dit. Ah, Ubisoft Annecy, ça je ne vous l'avais pas dit. Et Ubisoft Bucarest, développé par Ubisoft, en gros. J'ai toujours la crève pour ceux qui découvrent mes vidéos, hein, il doit y en avoir quand même. Forcément. Je dirais que pour ceux qui ne découvrent pas mes vidéos, ils le savent que j'ai la crève, mais pour tous les autres, Claire, j'ai la crève depuis un moment. Je me la traîne. Je suis à Acre. Graphis. Ah ouais, ça... hors de tout danger. Je me tais pour ceux qui l'ont pas vu, mais prêt à affronter le pire. Les hommes et les femmes qui m'hébergent m'ont averti que la route de Massiaf était envahie de mercenaires venus d'autres contrées. Je n'ose imaginer de qui ils parlent. Lorsque j'ai quitté Rome, il y a 10 mois, je n'avais qu'un objectif. Trouver ce que notre père a cherché en vain. Dans une lettre écrite un an avant ma naissance, il évoquait une bibliothèque cachée sous la forteresse de Massiaf. Un sanctuaire abritant un savoir inestimable. Que vais-je trouver à Massiaf? Qui sera là-bas pour m'accueillir? Une horde de templiers comme je le crains? Ou le souffle d'un vent glacial et solitaire. Les assassins ont abandonné Massiaf depuis presque 300 ans maintenant. Y sommes-nous toujours chez nous? Y sommes-nous les bienvenus? Ah, Claudia, je suis désabusé, fatigué. Car nos efforts semblent invariablement nous conduire vers la même chose. Le chaos. Aujourd'hui, j'ai bien plus de questions que de réponses. C'est pourquoi je suis venu ici. Pour trouver la lumière. Pour trouver la sagesse du grand Altaïr. Pour mieux comprendre notre but. Et mon rôle dans ce combat. Claudia. S'il doit m'arriver malheur, si mes talents d'assassin me trahissent, si mon ambition m'écarte du droit chemin, ne cherche pas à te venger en mon nom, et poursuis notre quête de vérité, pour le bien de tous. Mon existence n'a rien d'extraordinaire, et ma mort ne changera pas la face du monde.
Ils nous ont quand même fait une cinématique top, top, top niveau. Bon, beaucoup, ceux qui attendaient Assassin's Creed, beaucoup l'ont vu cette cinématique, mais puisque c'était un trailer. Mais alors là, ça fait plaisir. Me revoilà. Je suis désolé, j'ai encore eu un petit contretemps, donc j'avais fait une petite pause. Mais je suis de retour et on va commencer à voir ce que donne ce petit jeu. Alors, synchronisation totale, donc à première vue, franchement, les menus, c'est vraiment du copier-coller des précédents Assassin's Creed. Bon, alors après, a priori, niveau maniabilité aussi, hein, pas de grande révolution. Là, je suis mon petit fantôme. Ah. Ah ouais. Alors. Ouais, bah ça, hein, voilà. Comme quoi, ça a vraiment pas changé. On retrouve de suite ces marques. C'est les licences en ce moment. C'est vraiment ce. C'est vraiment ça. Par contre, le mec qui parle derrière, il va me prendre la tête. Donc, je vais me baisser le son. Voilà. C'est un truc que j'ai horreur dans ce genre de jeu où, genre, tant que t'as pas fait ce que t'avais à faire, t'as un truc. Un mec qui parle derrière toi. Les cinématiques sont plutôt classe, hein. Là, on va récupérer nos lames. Voilà. Bah, ça, c'est. Ah, celle-là, elle est cassée. Donc, on a qu'une lame. C'est la bonne excuse pour pas les avoir de suite. Pour devoir se taper l'amélioration plus tard. Waouh! Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais genre, Ezio invisible. Ça, c'est la classe. Alors, attends. Comment. Je me rappelle plus comment on verrouille. Non. Oh putain, j'ai l'impression que le système d'armes a changé. Alors par contre, les contres, comment ça se passe? Voilà, ça on n'a pas changé. Oh putain, oh putain. Ah par contre, la barre de vie a un peu changé. Oh la barre de vie a un peu changé de gueule. Oh, il y a eu un petit bug toujours. Qu'est-ce que c'est? Voilà, celui-là est dégueulasse un peu. Ouh là 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 là. Ouais, la barre de vie a un peu changé de gueule, je disais. J'ai fait quoi? Ça aussi, ça a changé carrément de gueule pour le coup. D'accord, maintenant il y a joystick droit, joystick gauche. S'il y avait trop de trucs sur moi, j'ai du poison déjà. Ok. Et après, avec les raccourcis pour la vie, tout ça. On est d'accord. On range comment? Rengainé, B. Donc vous avez toutes les toutes les touches qui sont affichées en haut avec mode actif, mode passif. Hop. Ça, c'était une nouveauté aussi dans le précédent Assassin's Creed. Alors on va voir, hein. Nous pondre de quelques nouveautés par épisode, mais il va falloir mais en fait, moi à la base j'avais compris qu'il y avait 3 épisodes, que c'était une trilogie. Là on en est déjà au 4ème. Oui, voilà, là okay. On est déjà au 4ème et voilà, c'est pas ça c'est vraiment bidon quoi, le mec qui nous dit par où passer. Je pense que c'est parce que c'est le début du jeu, parce que sinon ça va me saouler. Déjà ça me saoule déjà. Ça me plaît pas du tout. Mais merde. Bah voilà. Bah, à pas vouloir regarder, à vouloir aller plus vite que la musique, mais on fait des n'importe quoi. Bon. Oula, ah non, je croyais qu'il était chauve, c'est sa capuche qui est d'une couleur bizarre. Je vais me prendre un petit médicament. Oh non, je reprends. Sérieux? Oh. Je vais me retaper les combats et tout. Oh, d'accord. Ah non, je croyais que je reprenais du début. Ah bah oui, si, je reprends du. Je vais mourir. Hein. Je vais mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, j'aimais bien ça. Ah d'accord, maintenant il y a les petits finish moves. Ok, donc là on continue. On repasse par là. Alors attendez 2 secondes. Voilà, j'avais coupé le micro pour pouvoir tousser tranquillement sans vous péter les tympans. Ah oui, on fait comme on peut maintenant parce que.
Si j'attendais de plus être malade pour faire les vidéos, ça ferait longtemps que... Ça ferait au moins 2 semaines que je ferais plus de vidéos. Et vu que c'est quand même un truc qui me plaît, pas arrêter maintenant. Allez. Hop. Allez. Allez, saute. Saute. Et là, on monte. Ouais, du coup, il a pas fait assez vite tout à l'heure. J'étais en train de dire que ça servait à rien, que je savais par où j'allais pas, j'allais devoir passer. Ben non. Et j'ai vraiment la gorge en vrac. Oui, bon, ça je connais. Assassiner, c'est comme ça. Je trouve qu'ils ont toujours autant la classe, ces assassins. On va re-assassiner là. Ah non. Ah, c'est énorme parce que. Ça c'est Assassin's Creed, ça a été le premier jeu que j'ai eu sur Oula! Ouais. J'avais l'impression qu'il y avait un petit bug. Ça a été le premier jeu que j'ai eu sur la Xbox 360. Le premier Assassin's Creed avec Gears of War. C'est les deux jeux qui m'ont fait passer à la nouvelle génération. Après j'ai choisi la Xbox parce que c'était la moins chère. Interagir. Oui. On doit se dire non, il a pas sauté là. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Confiant le mec. Sans savoir ni rien. Lui il a peur. Non mais si t'as peur, tu dis rien et puis je te tuerai pas. Hein. Bon bah tant pis. Voilà. Voilà, j'ai fait la synchronisation totale. Donc ça c'était en gros c'est des objectifs secondaires de des missions, ça y est depuis je sais plus depuis lequel hein. Si, il y a tellement eu, je sais plus ce que je disais tout à l'heure que ouais moi je m'attendais à ce qu'il y ait que 3 épisodes, c'est quoi ça? Moi je m'attendais à ce qu'il y ait que 3 épisodes mais je pense qu'eux aussi en fait. Ils se sont dit, à la base ils avaient prévu une trilogie, et vu comment ça a bien marché, le bordel, ils ont changé de stratégie. Maintenant il y a des petits ralentis. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, ils font leur petit pousson là. Bon, tu te lèves? Putain, par contre, j'arrive plus à les verrouiller. Lui il m'a trop pas grillé, il a rien entendu. Toi t'as l'air moyennement d'avoir moyennement compris ce qui se passait. Putain. Il y avait un bouton pour verrouiller avant. Ouais, du coup ils avaient prévu une trilogie mais quand ils ont vu là qu'est-ce que c'est? Quand ils ont vu ouais putain ça marche super bien notre truc là. Attends, parce que si on fait qu'une trilogie, 3 épisodes, on en a vendu combien là? On en a vendu plusieurs millions déjà. On va peut-être se démerder autrement et tout. Du coup, ils ont trouvé de l'intrigue à rajouter et je me dis qu'il y a moyen que ce soit pour ça que le scénario parte un peu en couille. Ils ont rajouté des trucs à l'original et c'est pas forcément une bonne solution. Bon, j'écoute un peu. Pour les autres, leur livre contiendra sûrement la réponse. Quel livre? Une sorte de journal. Cet infect capitaine le garde sur lui partout où il va. Rentre chez toi. Trouve un travail honnête. Oh, je quitterai cet endroit de très bon cœur, mais ces hommes me tueront immédiatement si j'essaie. Emballe tes outils. Le Templier a apporté un mystérieux journal à Massief, trouver le capitaine Templier et récupérer le journal. Synchronisation totale, réussissez toutes vos filatures. C'est le genre de truc que je ne suis pas du tout, les synchronisations totales. Généralement, je regarde même pas ce qu'il y a à faire.
Qu'est-ce que je dois le suivre lui? Non, je pense pas. Je bois un petit coup. Je vois 0A en dessous là. En bas à gauche. Par contre, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Oh là là là. Nous ont fait des espèces de checkpoints. J'espère vraiment que c'est parce que c'est le début, mais forcément, moi, j'attends qu'une chose là, c'est d'arriver à Constantinople. Alors là. Et donc ouais, je reprends ce que je disais, c'est que à mon avis, ils ont fait plus d'épisodes que prévu au départ. Au lieu de nous faire une trilogie, ils nous ont fait une trilogie Ezio. Et bon, il y a eu une news dernièrement comme quoi le prochain épisode serait le dernier de la saga Desmond en fait. Desmond, c'est le mec qu'on a vu. Mais ce sera très clairement pas le dernier Assassin's Creed. Mais ça me dérange pas à la rigueur parce que c'est une très bonne licence. Putain, là il y a une patrouille, là il y a un mec. J'ai des parachutes, je vois. Et moi je dois aller où? Je dois sûrement aller par là-bas. Le mec là, il est passé où? J'ai vu qu'il y avait un mec. J'aimerais bien faire mon discret quand même un peu. Mais après les mecs sont hyper miro quand même parce que là ils ne me voient pas là. Là je passe là, ils me voient pas. Donc bon. Putain, là par exemple, là ils me voient pas. Je veux dire, il y a un mec qui se promène là, moi je le vois hein. Puisque eux je les vois, je vois pas pourquoi eux ils me voient pas. Donc ça c'est quand même hyper facile quoi. Mais j'ai pas rêvé, il y avait un mec qui traînait là tout à l'heure. On va attendre que la garde repasse. Je vais pas tous les tuer de toute façon. Non. Putain, il s'arrête? Qu'est-ce qu'il branle? Allez, cours. Cours mon petit gars. Hop, on va rusher. Donc ouais, c'est une série en fait. Sur le dernier, moi, sur le Brotherhood, je m'attendais pas à grand chose. Ça c'est encore des méchants ça. Oh putain, ils m'ont carrément vu là. Je m'attendais pas à grand chose, je m'attendais clairement j'étais dégoûté déjà que ce soit encore Ezio parce que je l'aime pas trop. Donc enfin je l'aimais pas trop, j'aime bien sa nouvelle skin là sur en mode plus âgé, il a l'air cool. Bon mais là je fais comment là? J'ai quoi? J'ai pas de flingue, ça c'est sûr. Non j'ai pas de flingue. J'ai que ma double lame quoi. Ah non, sinon je sais. Je vais faire ça comme ça. Eux ils me voient pas. Hop, on va faire comme ça. On va se la jouer discret. Tu veux pas descendre d'un cran? Oh raté! Bon ben, c'est raté en discret. Donc là il y en a eu qui s'est fait tuer. Merde, putain. Ça m'énerve, j'avais pas verrouillé. Qu'est-ce que tu fais? Et donc ouais, moi j'attendais clairement pas grand chose du dernier épisode. Et finalement ils ont réussi à faire un truc bien avec leur idée de... leur idée de sorte de guilde quoi. Putain là je suis très doué. Vraiment, bon je vais changer d'arme parce que là je me fais défoncer pour rien. L'idée de créer une guilde, d'avoir du soutien, ça a apporté vraiment un truc en plus au gameplay. Sans dire que ça le facilitait parce que... Ben non... Ça le facilitait un peu, ouais, mais je sais pas. C'est pas forcément ce qui m'a plu. Oh, c'est vraiment l'idée de... Je sais pas, l'idée d'avoir des dégâts à maîtriser. C'était vraiment sympa comme idée. Après, il y avait des nouveautés, mais je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Donc on va faire en mode... Donc lui, il est mort, hein. Je viens de le balancer par terre. Il est quand même réussi. Putain, il faut qu'ils arrêtent avec ça. Là, j'ai jamais compris pourquoi il achevait pas le mec à terre. Là, il y a eu du réflexe, là. Putain, il me fait que celle-là, contre-attaque. Mais il a la classe, quand même. Ouais,
Bon, régulièrement, j'essaye de couper le micro pour tousser tranquillement parce que là, j'ai une crise un peu de toux assez sévère. Donc bon, j'ai commencé la vidéo, je voudrais pas l'arrêter parce qu'une vidéo découverte, on découvre qu'une fois le jeu, donc... J'ai la gorge qui pique. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Templier dans le village, 9. Voilà, sauter, appuyer sur X pour ouvrir le parachute, ok. Et je dois faire quoi? Je sais pas ce que je dois faire, il faut que je le file à lui ou quoi, je pense. Ah bah, si, je sais pas, je croyais, je savais pas, je sais pas si c'est moi qui ai appuyé là pour le coup. C'est une arrivée hyper discrète, je trouve en tout cas. Ça c'était une des nouveautés du Brotherhood, le parachute. Une nouveauté que j'avais débloqué en dernier, j'avais déjà fini le jeu. Et j'ai dû m'en servir deux fois. Sans vraiment en avoir l'utilité. Hein. Mais c'est vrai que c'était sympa. Oh putain. Oh là là, oh là là. Oui. En mode discrétion assurée. Je sais pas ce que je dois faire en fait, si je dois le suivre ou pas. Attention, ne vous rapprochez pas trop. Donc si je dois pas me rapprocher, c'est que je dois le suivre. C'est vrai qu'on fait pas trop attention à ce qu'on doit faire, à tout ce qui est écrit quand on fait une vidéo. Je voyais beaucoup de gens qui critiquaient le Hooper parce que justement ils voient pas ce qu'il y a à faire et on s'en rend compte mieux en faisant les vidéos nous-mêmes que c'est pas évident de suivre l'écran, de suivre notre conversation. C'est justement ça qui est marrant, c'est le mec qui regarde, il voit il voit ce que toi t'as pas vu et toi tu vas peut-être rebatailler pendant un quart d'heure sur ce qu'il faut faire. Alors que lui, si t'avais pas parlé, ben t'aurais pas eu à batailler en fait parce que tu t'en serais rendu compte tout seul. Bon, ça traîne en longueur là. Toujours cette possibilité de se camoufler dans les groupes. Là où... Ah. Bon alors lui il traite... Espèce de traînaille le mec. Ah le mec c'est une putain d'enfoiré de traînaille quand même. Personne ne s'en ira et lui qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Alors ça... Ça c'est un mec qui a des... Qui a des boulottes, comme on dit. Qui a des couilles lui. Donc c'est un peu plus sombre là le temps de chargement. C'était bleu clair là, c'est presque noir quoi. Enfin le sol en tout cas. Bon graphiquement par contre c'est pas une révolution. Ah d'accord. Tenez bon, ben voilà. Ça c'est un... C'est... Oui. Se sont éclatés. On peut pas essayer d'avancer un peu par... Ah la corde va casser. LS pour enfouler la corde. Ouais, culé. Oula 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 oula. Allez avance avance avance. Oh là 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 là. Manger une pierre. Et là la corde elle va casser. Non c'est bon. Ça tient le coup. Aïe. Aïe. Il tient bien le coup là, quand même le petit assassin. Aïe. Je vois pas. Aïe. Ça c'est de l'esquive de fou hein. Ouais, tu vas mourir hein. Enfin je sais pas, ou alors à moins que tu sois le grand méchant de la partie, mais sinon tu vas mourir. Je sais pas, je le vois pas comme un grand méchant lui. C'est à moins la classe que les Borgia ou un truc comme ça, hein. On sait pas qui c'est. Allez, tu peux y arriver. Allez Ezio. Pas pris assez de phytalgique. Ouh là là. C'est vrai qu'à l'époque c'était quand même la grande classe et je pense que si on reprend le premier Assassin's Creed, ça a dû prendre un sacré coup de vieux. Bon mais il veut pas monter là, qu'est-ce qu'il branle putain. Allez, je me cache pas, hein, je suis derrière toi. Voilà putain. Bon il y a un mec derrière qui suit.
Ah ouais, putain, il va faire sa traînaille, il va sauter sur l'autre truc. Ah oui, voilà, il fait ça vraiment comme un enculé, putain. C'est pour ça oh. Pour ça justement qu'ils sont méchants, ce genre de mec. Bah désolé, hein. Oh, c'était pas obligé, tu pouvais juste le pousser, hein. Pourquoi tant de violence, j'ai envie de dire. Salut. Ouais. Encore et toujours moi, j'ai envie de dire. C'est moi ça? Oula. Alors je sais pas ce que je dois faire vraiment. Dirigez-vous pour lui infliger des dégâts. Je me dirige vers lui pour lui infliger des dégâts. Alors là je sais pas qui c'est qui... Ah, take down mon gars. Oh. Mon chariot a pris une volée là. Bam. Voilà. Bam. Voilà. Checkpoint à terre. Chariot du capitaine des Templiers. Va affaiblir le chariot du capitaine. Ça m'étonnerait que le mien tienne le coup beaucoup, hein. Ah ben voilà. Ouais, je comprends pas. Faut que je vais essayer de lire ce qu'il y a écrit sur les côtés parce que... Ah mais... Il y a eu le checkpoint. Peut-être que je vais récupérer mon chariot avec la vie au max au checkpoint. C'est pas impossible ça. T'es. Qu'est-ce que je disais? Alors, par contre... forcément je me suis pris une vieille caillasse. Faut faire gaffe aux caillasses en fait, je viens de me rendre compte. J'ai pas fait gaffe. Voilà. Ouh les grosses caillasses. Ouh les grosses caillasses, elles m'ont mis vraiment cher. Aïe. Ouais bon là ça va. C'est pas bien parti pour. Putain, il m'a encore envoyé dedans. C'est mal barré. C'est très mal barré. Allez, vas-y que je t'amène dans la caillasse. Non mais putain. Bah oui. Et toutes celles qu'il y a, il m'envoie dedans. Je pense qu'il va falloir que je change de technique pour faire ça dans un autre sens. Et faire aller vers lui quand il y a la caillasse à éviter et pas juste avant. Et qu'il me renvoie dedans du coup après. Donc là on va essayer de faire un peu plus gaffe. Là il y a de la caillasse, on fait gaffe. Genre là-bas il y a de la caillasse, donc on va attendre un peu et on va y aller maintenant. Voilà. Voilà, comme ça, là c'était pas mal. Bah, putain, là il va me renvoyer dans la caillasse. Putain. Ah là là. Ah merde, putain. Et ça m'a ruiné, mais vraiment énormément là. Là ça va encore. Non, ça va. On va attendre un peu. Ah là. Voilà. Ah putain. Je sais pas s'il faut que j'arrive à le péter ou quoi, mais... Oula. Oula, là, ça va pas passer, là. Putain, l'enculé. M'a ruiné. Mais saute-lui dessus, hein. Arrête d'essayer de vouloir lui péter son chariot, hein. Voilà, le genre de face qui va me saouler. Si je dois rester bloqué, là. Voilà. Ouais. Donc là, si vous prenez plus d'élan que votre adversaire, vous ferez des dégâts. Ok. Voilà. Je prends de l'élan. Là, je prends de l'élan. Ah, j'ai l'impression que je l'ai balancé dans de la caillasse. Non. Putain d'enculé. Je prends de l'élan. Oula, c'est pas moi qui ai mangé. C'est moi qui ai mangé là. Allez, je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Putain. Ça va, là je m'en sors un peu mieux. Allez, tourne encore. Bam, voilà. Oula par contre, il y a des chances que... Oh, je prends ma volée là. Oula, j'ai pris ma volée. Parce qu'il y avait une petite tranchée et j'ai mangé toute ma tranchée de caillasse. Là, je vais repartir. Et voilà, là c'est plié. À moins que j'arrive à le finir, mais... Ah non, ah non, non. Là il m'a remis ma volée. Putain. J'étais mieux parti que tout à l'heure. J'avais presque réussi.
Ah, le genre de phase qui sert à rien et qui casse les couilles. Enfin, si, qui sert à casser les couilles, c'est tout. C'est quoi, du coup, vu que j'ai coupé la vidéo, je sais pas exactement à combien on en est. Bon, j'avais pas fait énormément. On a passé un peu la demi-heure. Alors, attends, mon gars, là. Pas me faire avoir. Je vais pas lancer. Putain. Voilà. Ah, putain, merde. Ah, merde, putain. Allez, oh là là. Il me balance dans les trucs là. Voilà, voilà. C'est mal barré quand même. J'ai pas envie d'être pessimiste, mais là. Ah putain. Phase de merde. Putain, et en plus j'aimerais bien. Ah oui. J'aurais bien aimé. Ah oui, voilà. Allez, moi j'ai bien envie de ruiner mon truc tout seul. Comme ça là, parce que c'est vraiment trop mal barré. Je peux pas le finir là, s'il vous plaît. Bon, on va essayer comme ça. Voilà. Bon, oh, d'accord. En fait, je suis sûr que si t'esquives. Si t'esquives le truc, à mon avis, y a moyen que. Ouais, d'accord, vous allez arrêter rien du tout, les mecs. Ah, si. Mais non, il est pas mort. Mais non. Ah, il a un peu mal, mais il est pas mort. Oh non! Ah non, qu'il nous refasse pas le coup là de. Du début. C'était le début de Brotherhood aussi, je crois. Où... Aïe, 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 aïe. Et je faisais deux pas et il faisait aïe, aïe. Jusqu'à ce que t'ailles te reposer. Oh, ça m'a fait péter un plomb. C'est le genre de truc là, les trucs répétitifs comme ça, jusqu'à ce que tu le fasses. Oh, ça c'est horrible. C'est le truc qui me fait le plus péter un plomb dans ce jeu. Je sais plus dans quel jeu j'ai joué aussi il y a pas longtemps, il y avait ça. Putain, y'a même pas de sous-titres. Leandros, regarde. Tiens, tiens. Regardez qui est sorti de son trou pour mourir. Il est à l'agonie. Achevez-le. Rapportez-moi sa tête ou je prendrai les vôtres à la place. Ah d'accord. T'inquiète pas pour leur tête, elles vont tomber avant que t'aies le temps d'y arriver. Le capitaine vous a abandonné, une mort certaine, retrouvez-le, tuez-le et récupérez le journal. Quand je disais que c'était pas un grand méchant si je le tue au bout d'une demi-heure de jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Hop. Bah, t'as raison, je suis à l'agonie là. Bon, par contre, il va falloir me faire d'autres. Fais des guili-guili. Guili-guili! Allez. Qu'est-ce que c'est cette grande roue là? Ah oh bah c'est une... Oui c'est... C'est un truc pour faire de l'électricité? Non mais c'est une récolte d'eau quoi. Lui il m'a même pas grillé, non mais t'hallucines quoi. Bon bah t'es mort. J'ai dit t'es mort. Bah... Bon bah t'es mort. Mais je trompais, c'était X je crois pour assassiner. Ah non mais par contre c'est checkpoint là. Ah oui d'accord. Coucou. Ça devient de plus en plus dur. Oh. Il craque la tête. Pourquoi? Non mais range ton épée. Qu'est-ce que je... On va sortir la lame, voilà. Voilà. Comme ça je pourrais assassiner gentiment. Ah, ramasser. Oh oui, bah c'est vrai. Non. Alors, si je maintiens. Ah non, c'est B. Alors, si on maintient, on fouille. Voilà. Et si on fait ça. J'aimais beaucoup d'ailleurs comment il jetait ses corps. Hop, comme un sac de patates. Ah, si, je sens que ça va chouigner. Je sens qu'il va chouigner. Quand je cours. Ah non, ça va. Merde. Alors, qu'est-ce qu'il me dit?
Vision des Templiers. Ah ouais, d'accord, carrément. Salut. On va peut-être pas faire... Si on essayait de faire ça en finesse un peu. Il y a lui là qui va arriver. Lui, je vais le niquer. Lui, je vais le niquer. Hop là. Voilà. Il y a eux là. Donc eux, on va passer. Genre, il veut pas monter. Qu'est-ce que c'est, cet ogre? T'as déjà vu cet homme? Bon, ben, si tu m'as déjà vu, on va faire ça tranquillement. Chaud. Et voilà. Eh ben, tu me verras plus. Tu me verras plus. Tu me verras plus. Et alors, la vision des Templiers. Il est passé par ici, il repassera par là. Alors là, j'ai qu'une lame, donc on va pouvoir en faire qu'un. Hop, on va en faire un. Aïe! Oh bah d'accord, là le bug. Putain, et ça, ça m'énerve. Voilà. Voilà. Donc, il me semblait qu'avant on pouvait pas bouger quand on faisait la vision de l'aigle. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, c'est carrément la... Son chemin de... Ah là on arrive dans un bled ou quoi? Ah ouais, là on est dans un petit village, donc c'est pour ça qu'il m'a pas vraiment calculé. Lui, il m'a calculé. Bon, il faut s'arrêter pour enclencher la vision. Oh, il est où? Il est là. Il est là. Putain, je suis passé juste à côté d'un que j'avais même pas calculé. Alors, on avance. Je sais pas si vous entendez chouigner là. Toi, t'es mort. Tu m'as même pas grillé. Putain. C'est par là. Bon. Eh oui. Eh oui, mais même plus que ça, mon gars. Aussi, ça joue ça, mais tu verras que quand je joue. Il y a qui pour m'abattre? Il y a des gens pour m'abattre parce que moi, je vous attends. Hein. Ah ouais, il y a des gens. Bon ben, je vous attends. Vas-y, envoie. Guili guili guili. Bon, il fait toujours le même. Voilà, allez, vas-y que je te chatouille les... chatouille le cerveau. Là, on va spammer un peu. Hop là! Donc ça, c'est fait. B, jusqu'à ce que l'icône soit pleine pour fouiller les cadavres. Qu'est-ce que tu... Ouais, c'est pour les sous, c'est quand même utile, les sous. Je sais pas s'il y aura toujours ce système d'amélioration. Appuyez sur RB pour sélectionner remède. Pourquoi? Quelqu'un m'a lâché un remède ou quoi? Qu'est-ce que... J'ai pas compris là. Ah effectivement. Bon, il est où le capitaine Templier là? Que je le chausse. Capacité acrobatique récupérée, ok. Qu'est-ce qu'il y avait là? Ah, un petit coffre. Donc là je suis dans une zone non autorisée. Il y a lui là. Oh, ils ont des fusils! Oh, ils ont des fusils! Sérieux? Oui. Et Léonard de Vinci a fait un peu trop de dégâts à leur proposer un peu toutes leurs, leurs armes. Allez, putain, descend! Je voulais le tuer à lui là. Hop. Voilà. Gentiment. Et donc faut que j'aille où? Faut que j'aille là-bas en bas. Bon, c'est gentil ça alors. Hop. Ça c'est depuis le 1. Hein. Et c'est toujours aussi crédible. Le mec qui saute dans le foin, il se fait pas mal. J'ai envie de dire normal. Oula, oula. Enculé. Où est-ce qu'il veut mon gars? T'es où? T'es où? Je te défonce. Ah, j'arrive.
Bouge pas. Bouge pas, j'arrive. Il sait même pas où je suis. Tu me vois là? Ah, il me voit. Ah ouais, il me voit. Coucou. Je monte. Hop. Oh, aïe, aïe, aïe. Il m'a mis une grosse balle. Et les mecs, ils sont sereins. Hein. Il est où, lui? Ok. Allez, saute. Hop là. On est reparti. Hop, donc c'était par là. Il y a moyen. Hop, sur le côté. Grande blague. Et là, si je saute... Non, ça marche pas. Donc on passe par là. Ok, oui, par là, ça va aller mieux. Donc j'attends quand même de voir les nouveautés de ce jeu parce que... commence à se la jouer à Call of Duty quand même sur Monsieur Ubisoft. Ils nous sortent des jeux... ils nous sortent une licence tous les ans, mais... Quel enfoiré. Ça c'est des enculés, on appelle ça. Mais à côté de ça, en fait... Je suis pas trop ce que nous... Eh ben, toi tu vas mourir, on va t'apprendre, regarde. Et voilà. Ça, c'est réglé. Bon, et on va pas faire une heure et demie là de vidéo comme j'ai fait pour les autres. Le vieux loup, c'est encore mort. Ce livre que tu gardes, où est-il? Le journal de Niccolo Polo. Cela ne changera rien. Il est trop tard. Nous avons déjà trouvé l'une des clés de Massia. Et nous aurons bientôt les autres. Ce que renferme cette bibliothèque n'est pas pour les Templiers. Je te laisse les livres d'Altaïr. Nous cherchons autre chose. Nous cherchons le chemin qui mènera au grand temple. Le grand temple? Qu'en sais-tu? Parle! Non, il est mort. Requiem Catimpache ou je sais pas quoi. Bastardo, carrément. Requiem Catimpache. C'est ça. Repose en paix. Ah! Toujours! Toujours les fucking succès! Alors, voilà, là on va sortir de l'animus. J'ai même pas parlé trop de... du scénario des précédents opus. Je sais pas si je dois en parler, s'il y a des gens qui l'ont fait, pas fait. Ceux qui l'ont fait, ils ont pas besoin que je leur en parle, ils la connaissent. Et ceux qui l'ont pas fait, ils ont peut-être pas envie que je leur en parle pour le découvrir d'eux-mêmes. Je sais pas trop. Ok, tu commences à m'inquiéter, William. Calme-toi. Je n'ai pas les bons gènes pour l'utiliser comme il faut. Ah, et Desmond, tu crois qu'il les a? Oui, j'écoutais un peu ce qu'il disait, mais bon, ça parle pas beaucoup. Alors, Desmond, il a fait son truc de Nexus, là où je sais pas quoi. Ça va être très bizarre, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se baladait. Un petit tour incognito hors de la partition Desmond. Résultat, quand l'animus t'a retrouvé, il t'a renvoyé ici directement. D'accord. Et il ne fait que suivre les... comme un programme de sécurité. Il essaye de garder ton esprit intact. Que ça te plaise ou non? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je joue, j'apprends, j'attends aussi. Je fais que ça, même. Je crée des diversions pour l'animus. C'est ce qui te permet de l'explorer. Sinon, il te considérerait comme un vulgaire virus et ferait tout pour te supprimer. Génial. J'ai un ange gardien. Je ne crois pas. Bon, j'espère quand même qu'il va y avoir des révélations hein, dans cet épisode. Prenez pas, ça s'appelle pas révélation pour juste comme ça. J'espère qu'il y aura vraiment des révélations et qu'on attendra vraiment avec impatience de connaître la suite. Ils convoitent la bibliothèque d'Altaïr
afin de mettre la main sur ses secrets et de trouver l'endroit qu'ils appellent le Grand Temple. Le Grand Temple. J'ignore s'ils disent vrai. Mais je sais que la bibliothèque existe. J'ai vu sa porte. Mais personne ne peut y entrer. Pas avant de récupérer les 5 clés que Niccolò Polo a cachées à Constantinople, il y a près de 300 ans. Bon, ben voilà. Cloud, je dois trouver ce... On connaît l'objectif du jeu. Récupérer les 5 clés que je sais pas qui a cachées à je sais pas où. À Constantinople, ben si. J'attends de voir la gueule que ça a, Constantinople. On est en 1511. Et voilà. Donc il va encore y avoir quand même des endroits inaccessibles. Comme tout monde ouvert qui se respecte, toute la zone n'est pas ouverte dès le début. Et je pense pas qu'ils aient changé de moteur graphique ou quoi, parce que ça a l'air quand même d'être toujours dans les mêmes tons. Mon nez il couine quand je renifle. Quelle vue magnifique. Oui, quand même un peu. Et ce n'est pas terminé. Il n'y a en Europe aucune ville aussi majestueuse. Eh bien, pour être précis, voici l'Europe. Et voilà l'Asie. Ah. Certaines frontières résistent encore aux Ottomans. Très peu. Je devine que vous êtes italien, mais pas par votre tenue. Voyagez-vous depuis longtemps ? D'abord, j'ai quitté Rome il y a 12 mois en quête d'inspiration. Et c'est cela qui m'a conduit ici. Quand j'étais jeune, mon père me racontait des histoires sur la chute de Constantinople. Vous voulez parler de la conquête ? La morale d'une histoire reflète le caractère de l'homme qui la raconte. Ça, je vous l'accorde. Tant mieux. Constantinople. Je suis désolé, je dis rien. Hein. J'écoute, je vous laisse profiter. C'est une vidéo découverte, donc vous découvrez avec moi. Je fais pas comme d'autres qui parlent en même temps. Moi, je découvre en même temps. Tu travailles. M'intéressait était plutôt salvé. Incroyable. Je m'étonne que vous ayez réussi grand chose. Tout comme ma mère. Ce fut un plaisir de parler avec vous. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez ici. J'en suis persuadé. Ah, ça a l'air comme une classe quand même. Faites-moi cet honneur, madame. Grazie, mon garçon. Un érudit et un gentilhomme pourraient sceller bien des surprises. Si peu, mon ami. Que Dieu vous bénisse. Moi, que ce soit notre nouvel ami. Putain, mais il est vilain en fait, Edio. Qu'est-ce qu'il a lui? Si la légende dit vrai, c'est un honneur de croiser ton chemin, le célèbre maître et mentor, Ezio Auditore de. Blablabla. Da Firenze. Pardonne-moi, tout ce charabia italien est. Difficile à comprendre. Da Firenze, la ville où j'ai vu le jour. Ah, alors, selon vos coutumes, je me nommerai Yusuf Tazim da Istanbul. Ça me plaît. Istanbul, encore un autre nom pour cette ville. Oui, le préféré du peuple. Viens, mentor Da Firenze. Je vais te faire visiter. Ok. Ah non. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu fais? Vous ne pouvez pas interagir avec les échoppes pour moi. Mais tu me fais visiter ou tu me fais pas visiter? Pourquoi ces maudits byzantins résistent-ils encore? Ils ont eu leur chance. Donc, c'est la mission là. C'est la mission, donc on parle. Vous avez accueilli à Constantinople, vous devez faire connaissance avec ce nouvel allié et cette nouvelle ville. Super! Ah, je déteste ça. Ah, si je fais start et que je vais dans options. Est-ce qu'on peut avoir... Non, HUD. Ok. Général. Sous-titrage. Oui.
sélectionné. Oui. Stéréoscopie, ça veut dire 3D? Non, peut-être. Non, non, mais pas de 3D. Hop, on va voir si on a les sous-titres. Ouais, vous, vous les aurez peut-être pas, parce que c'est vrai que les sous-titres en SD, c'est un truc que je comprendrais pas, ça. Alors, toujours les sections, apparemment, enfin, les gens qu'on peut recruter. Putain, et les mendiants, ils ont pas intérêt à être aussi casse-couilles que d'habitude, parce que ça, c'était horrible. Je crois que c'est dans le 1 surtout, après dans le 2, je m'en foutais. Je leur mettais des patates au mec qui chantait là. Ouais, oui, mais t'es trop con. Qu'est-ce qu'il a? Il cherche la merde? Oula, oula. Il est bugué, regardez ça. Putain, il marchait par un coup. Et là, j'appuie sur rien, c'est normal? Ouais, je sais pas si c'est normal, mais bon. Mouais. C'est quand même assez joli, hein. Ah, il a la classe. Il a la classe, même si je trouve qu'il a un peu une sale gueule. Il y a eu un truc bizarre avec la caméra, là, encore. Et j'espère qu'il va pas y avoir trop de bugs. On verra ça avec le test, mais... ça me ferait chier qu'il y ait du bug. Et par contre, il avance plus. T'es. On peut se cacher avec elle. On verra ça plus tard. Allez. Bon, tu vas me faire visiter toute la ville comme ça parce que... Merde, oh, je lui ai volé. Oh, il était pété de thunes en plus. Est-ce qu'on peut voler les trucs aux gens? Oula, oula, oula. Ouais, d'accord. Heureusement que tu vises quand même pied, mon gars. Embuscade. Ah, embuscade de tapette. Alors, voilà. Un qui est mort. Hop. Un autre qui va mourir. Non, non. Tu te démerdes, t'avais qu'à avoir les tiens. J'ai tout pris pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Allez. Allez, à l'attaque. Non, non. Regarde. Bison, c'est mort. Et tu vas la rejoindre. Qu'est-ce que c'est? Toute la ville s'éveille pour t'accueillir, Ezio. Les gens, et maintenant la vermine. Les soldats ottomans détestent vraiment ces renégats byzantins. Ça nous laisse un peu le champ libre. Pour faire quoi? Ouais, pas grand-chose. Ils te tueront quand même si tu les nargues, mais après, ils s'en voudront. C'est touchant. Tout ne va pas si mal. Pour la première fois depuis des décennies, les assassins sont en nombre ici. Oui, oui, oui. Sinon, je pense qu'on va peut-être pas trop tarder. Ça va bientôt faire une heure. Je dis que je vais pas encore faire une heure et demie, mais bon, je suis quand même pas loin de l'heure déjà, donc bon. On a rien vu en fait, c'est ça qui me fait chier. Je vais quand même, j'attends la fin de la mission et je ferai une petite balade dans Constantinople quand même, qu'on puisse aller voir ça. Se mettre un petit point de vue, et après je vous laisserai. Je sais pas où tu m'amènes, mais t'as intérêt à te manier, hein. Je crois qu'il a dit qu'on y était presque. Non, faut appuyer sur A quand on passe au milieu des gens. Sur B. Sur B pour les pousser, parce que si on appuie sur A, justement, on va les voler. C'est pas très bien. C'est le meilleur moyen pour se faire des sous rapidement, hein, quand même. Si vous avez besoin de sous, vous faites le tour de la ville en maintenant A. Et vous allez... Oui, bah... Alors là, sans déconner. Je te suis depuis une demi-heure, bientôt. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, j'ai gagné 150... Ok, donc vous n'avez pas de Youssouf. Bon, mais je me casse. On va aller admirer un peu la ville. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est plus monté en faisant ça là ou quoi? Qu'est-ce que c'est la blague? Ah si. Il a l'air d'avoir une bonne cinquantaine de piges. Ah ouais, et ça c'est cool parce qu'il va y avoir des crochets pour traverser ces trucs. Quand on aura le crochet, ça sera bien. Alors, est-ce que les gardes sont contre notre présence sur les toits? Hello. Monsieur. Oui, il contre ma présence sur le toit. Donc je vais t'aider. Voilà. T'as rien vu, t'as rien entendu. Donc une tour, il y en a une là, qui est plutôt classe. J'aime bien les tours. Oh putain, oh putain. Ouh. Il est chaud.
Alors, les petits trucs toujours à récupérer. Voilà, 100 fragments à récupérer. Un truc que j'ai jamais fait. Ça m'a fait péter un plomb. Dès le 1, vous avez proposé 100 drapeaux par ville. J'ai fait, bon, on va essayer. Et puis, non, 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 en fait, non. Meilleur moyen de. Pour se tirer une balle, un truc comme ça. Voilà, alors, les gens qui parlent là, quand ils te voient monter, ça aussi, ça m'énerve. Des trucs à la con qui servent à rien, par exemple. C'est censé renforcer l'immersion, mais non, c'est pas convaincant. Vu que c'est répétitif, bon. Au début, ça marchait bien, mais maintenant, c'est plus trop le cas. Ok. J'aime bien les phases d'escalade, hein, c'est un jeu assez reposant, hein, moi je trouve ça. Même si c'est quand même assez facile, il y a quand même y a quelque chose à nous proposer. Moi j'aime bien. Vraiment le premier était une grosse claque quoi. Après l'effet de surprise passé c'est fini, mais le premier était vraiment une tuerie. Les autres aussi, hein, c'était tous des tueries. Y a pas à dire. Alors, est-ce que c'est plus haut ou pas? Ça va pas être beaucoup plus haut, non. On va voir le truc là pour. Ah, peut-être pas. Peut-être un truc plus haut en fait. Sûrement. Hop, monte là. Monte là. Monte là. Hop. Voilà, là. Ah oui, on doit pouvoir carrément monter sur le toit. Il y avait une tour comme ça dans le 1 que j'adorais. À Acre. Était énorme, on arrivait carrément tout en haut de la tour et on se posait là. Ah ouais, ça c'est stylé ça. On peut pas synchroniser? Oh cette blague, je suis monté ici pour rien. Je peux pas synchroniser. Elle est où la meule de foin là? Je vois pas la meule de foin. Vous me dites si vous la. Elle est là-dessous là. Eh oui, ça marche! Ah franchement, bon mais je suis dégoûté, il n'y a pas de truc de synchronisation. Si je fais select, est-ce que ça va direct à la carte? Select c'est back, hein, mais moi j'appelle ça select. Alors je voudrais aller là pour finir sur une synchronisation. Enfin une... Oui, une synchronisation de la carte quoi, un truc comme ça là. Je sais pas comment ils appellent ça exactement. Je crois qu'ils appellent ça synchroniser la carte. Synchroniser, ouais. Et puis après je vous laisserai... Ah ça c'était un truc bien. De pouvoir changer, de pouvoir tourner directement sur l'échelle. Salut les mecs. J'espère que je vous emmerde pas trop. Mec, il joue sur la table. Sur le toit. Sur la table. Ah oui, c'est des vrais rebelles. Ils jouent. Attention, ils jouent sur la table. Donc ça doit être là en haut que ça se passe. Et puis après, moi je vais vous laisser. Parce que bon, on voit quand même le. Vous voyez le terrain de jeu. Ça a l'air quand même d'être assez grand, hein. Mais je préférais vraiment le 1 où on nous a proposé plusieurs villes qui étaient vraiment différentes les unes des autres en plus. Dans le 2 aussi, il y avait plusieurs villes, mais à partir du moment où on n'avait plus qu'une ville, je trouvais ça dommage en fait. Même si c'est plus grand, parce qu'il n'y a pas vraiment de changement de paysage. Et, malgré la campagne de Rome, ouais. Enfin, la campagne, ouais, il y avait. Là, il y a carrément. Faudra traverser la mer. J'espère que c'est pas un JPEG, non, je pense pas. Ah, quoique. Non, je pense qu'on peut y aller. Putain, ça m'intrigue. Bon, on va synchroniser. Putain, mais on peut pas synchroniser, c'est quoi? Ah, putain, c'est pas le bon bouton. Mais je suis con, ils ont changé de bouton pour la synchronisation. Oh, ouh, là-bas. Là-bas, il y a un truc immense à grimper. Ça sera mon endroit favori du jeu, ça. Donc, ok. Ouais, vas-y, saute. J'ai presque envie de prendre un petit bateau pour voir si je peux me traverser le truc. Est-ce qu'on peut traverser dans ça là? Écarté, marche rapide, non? Putain, il n'y a pas des. Bon, on va voir. On va prendre là. Ça, c'était le truc abusé dans le 1, hein. Le mec, il avait beau escalader des tours et des tours et à côté de ça, il savait pas nager. C'était quand même assez magique. Là, ouais, j'ai l'impression qu'on peut y aller. C'est cool. Ce n'était point un JPEG. Du coup, ça a l'air. Ah, on peut pas y aller, mais on pourra y aller.
ces trucs comme ça, c'est pour dire que pour moi on peut pas y aller. Voilà. Attention, désynchronisation imminente. Ouh, j'ai eu chaud. Bon ben voilà, hein. L'eau est toujours les éclaboussures d'eau sont toujours aussi dégueulasses par contre. Hein. Ça c'est vraiment pas terrible. C'est dommage. Mais sinon sinon c'est toujours du même niveau à peu près. C'est quand même pas mal du tout. Même si on voit mieux maintenant, pour un monde ouvert c'est quand même pas mal. Tout dépendra de la zone de jeu, mais ça m'a l'air quand même assez grand. Là-bas, on a, j'ai l'impression qu'il y a un beau palais là-bas au fond. Puis là-bas, il y a une tour immense qui qui m'intrigue bien, hein, que j'irai voir assez vite, je pense. Ah bah t'es, j'aurais pu prendre, c'est ça, on peut prendre ça. Ah putain, il y a toujours des bugs pour monter là-dessus. Voilà, ramer. Voilà, on peut ramer comme ça. J'aime. Bah. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Merde. Je me suis trompé de sens. Voilà, dans ce sens. Ça c'est sympa. Pouvoir prendre la pirogue. Je sais pas si c'est une pirogue. Je sais plus. Bon. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.